Il est en 2D le perso. Non mais le design de ça, je suis d'accord, le design du perso est trop drôle. Même sa façon de marcher. Mais voilà, non mais c'est ça. Ça c'est trop drôle, ça j'avoue que c'est dingue. Et lui, le design est très très drôle. Il est là que pour ça en plus. En fait c'est que pour un mec qui est pas là pour la compète, pour le full tryhard, Game & Watch, bon c'est gaulerie tu vois. C'est un peu comme Pac-Man je trouve. Même si Pac-Man lui est vraiment fort, enfin Game & Watch. Game & Watch aussi. Game & Watch aussi pour le coup. Mais tu sais ils sont drôles les persos, ils sont faits pour parler à des gens, pas pour être fort. Tu vois. Enfin bref. Tu vois regarde, ça petite phrase d'honneur, c'est pas mal ça, on trouve un frame trap là-dessus. Petite dash attaque même. Puis les shrap à la crêpe aussi, ça j'aime bien. Ça va être déterminant en match-up, c'est est-ce que Bouyou arrivera à sortir le shrap ou pas. Parce que Game & Watch c'est un sacré shrap de zinzin. Après, qui est pas trop dur, est-ce que Adridge va réussir à tuer ou pas hein. Game & Watch t'as quoi qui tue bien? T'as le up smash, le fameux up smash de Game & Watch. Le up smash. Mais c'est vrai que si t'évites ça globalement. En attendant Bouyou en ledge guard. En ledge guard oui. Game & Watch. Oh là, oh là. Ok. Ok. Attention Bouyou de pas trop contest non plus hein, Game & Watch upside. Voilà. Il est allé se suicider voilà, bien gentiment. Il est sympa, il est bon joueur, c'est notre ami Gouyou. Hein, et ça, c'est un 9. Il devrait faire un peu ce genre de sco. C'est là, ouais, mais... c'est trop combo. Non, mais je sais, je fais le mec qui connaît. Drôle. Voilà, j'ai bien compris. J'ai bien t'as le droit à Dance Row 9, c'est incroyable. Mais c'est pas trop à 100%, je pense. Si. Et si à 0, c'est complètement trop. Ça le voit tuer, tu penses? Oui. Ça se plante à 10. Il y a moyen, ouais, t'as raison. Ça tuait complètement à 10. Il a des conversions de base hein, quand même. Tiens, noter, petite phase au nez. Ah non, mais en soi, il a tryhard le jeu pendant très longtemps. C'est juste que, bah. Le temps. Le temps, c'est de l'argent. Non, mais faut avoir le temps pour jouer. Ah, ça, je te le fais pas dire. Regarde. Oh, ouais, si, il y a des trucs, là. Non, mais. Il y a des trucs. On se laisse un peu abuser, comment dire. Ok, il a plus que son EB. Hein. Il a plus que son EB. Ouais. Parce que l'Edgecraft arrivera à le setup avec les crêpes là-dessus. Voilà, ça, c'est pas mal. Ok, pas mal. Je sais pas si vous voulez pas F-tilt parce que dash F-tilt avec Game Watch, c'est très oui, fort en Edgecraft. Très, très fort. C'est très, très fort. On cherche le up smash, évidemment, quand on commence à trouver. Voilà, Rico par le high qui sera puni. Oh, dommage. Le up smash, c'est une très bonne idée. Parce qu'il a vu qu'il était en retard sur sa punish, donc il allait chercher quelque chose de. FPS2. Ça baisse pas le tout. Qu'est-ce qu'il fait? Et il a voulu c'est quoi, y aller. Il a voulu y aller au B, c'est juste pris une clé. Par contre, le bucket ne renvoie pas le tout. Le bucket renvoie pas. Non, le ah, bucket. Le, oui, le bucket n'a pas renvoyé le tout. Après, est-ce que le bucket était sur la limite de la hauteur? Je pense parce peut-être. Qu'à mon avis, ça réflecte, hein. Je vois pas pourquoi ça réflecterait pas en fait. Ben, je vois pas non plus. C'est vrai que c'est bizarre, tu fais bien de le souligner. Oh, il cache le saut offstage, c'est bien. Il cache le saut offstage. Bon, pour l'instant, quand même, petit avantage à Bridge. Hein. On est even au pourcent. Ok, petit nerf là-dessus, petit nerf encore à un pair cependant. En plus, non, un B, d'accord, on l'enverra en juggle. Ah, ça a fait quelques tournois pendant ses vacances. Enfin, c'est pas vraiment des vacances quand il était à Paris, mais ça a fait des tournois. Il fait peur un peu le game. Moi, je trouve que. Voilà, c'est pas. Oh, ok, ça tue. Ça tue bien. Ça ouais, le flash, bon, qui peut avoir un coup. Plante, c'est pourtant pas si léger. C'est pas léger, hein. Le smash d'Adrich. Et le smash de Game Watch. 0%. Ouais, non, mais oui. La stock est propre. Bon là ce petit up B un peu comique côté Gouyou. Le up smash de Game & Watch c'est magique hein. C'est drôle hein, il est pas sorti de H-Rap une seule fois hein, sans trop de dommages. C'est vrai qu'à chaque fois il s'est pris des conversions. Au moins quelques dégâts voire des kills. Ou alors il se fait tuer quasiment juste après. C'est ça, j'ai l'impression qu'en plus Game & Watch a vachement le droit de up B sur le up B de plante. De up B sur le up B de plante. Ouais. C'est quand t'avais le bel plante. Mais genre, tu sais, quand il fait son hélico là en mode. Ah, tu sais, quand tu vas l'edge guard. C'est ça. Ah oui, 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 ah, il peut grave le choper. Il l'a EB 3-4 fois, c'est passé 3-4 fois. Je pense que ce que Plante peut faire par contre dans le match-up que Bouyou a pas encore trop estimé, c'est drop Tui au ledge. Ouais, mais le dit peut-être pas trop fort, il a pas de casque. Il a pas de casque, ok. Il écoute les conseils, il se fait coacher. Dans la tête là, il écoute pas les conseils. Je peux dire que là, il écoute les cloches de Game & Watch, les tortues, tout ce que tu veux là, tous les petits sons du personnage. Oh, le B là-dessus qui a trade avec le verre. Le B qui a trade, hein. Enfin, un trade un peu bizarre. On va faire un petit avantage, un avantage positionnel en plus, hein. Petit ledge trap qui sera proposé là-dessus. Mais on sortira avec une petite roll côté Adrich. Ça se passe plutôt bien. Une bonne roll là-dessus, encore une fois, il sort avec une roll du ledge assez vite. Hein. Il arrive à s'en sortir. Ouh. Mais par contre, ça l'a pas tué. Je crois que ça. J'ai un doute sur le fait qu'il y a un savoir et un sweet spot. Ok. Sur le smash de board, j'ai un doute, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a vraiment un sweet spot sur la tête, mais j'ai un petit doute. Ok, bah parce écoute. Effectivement, je suis étonné qu'il soit pas mort, tu vois. Donc, moi, je te fais confiance. Je connais pas le jeu à défaut d'être un mec drôle. On a plus de ce côté Gouyou. On a plus trop de ça là-dessus. On a un sacré avantage, hein. Le Game & Watch qui peine à trouver une version dans le trap, c'est plus compliqué tout à l'heure. Le tonnerre qui est tenté à Gouyou, ça passe un petit peu, que ce soit offstage ou en juggle tout à l'heure avec son AB. Il y a des petites lacunes dans le match-up, je pense qu'on sous-estime à quel point Game Watch qui versus bien offstage, tu peux pas aller chercher Game Watch. C'est très très dur en fait. C'est fort hein. C'est vraiment ouais, ça c'est gros points fort. Eh, soyons honnêtes, hein, le Fighter Pass 2 a fait oublier à tout le monde qu'à la base tout le monde trouvait ça cancer Game Watch hein. Ce cancer. Mais c'est vrai qu'il y a pire maintenant. Ouais non mais c'est ça. Puis maintenant on a Mia, et Mia sur Game Watch, mais il est trop cool.
Et ah, ça l'a réflexe. Ça l'a réflexe. Ah, c'est juste que ça a tapé raison, plus haut sur la tête du coup. Complètement. Et là, on peine à trouver le kill, contrairement à tout à l'heure. On avait jamais atteint 30%. Ça reste Game & Watch, malheureusement. Et Plante en plus, qui est très lourd. Plante, c'est lourd. Game & Watch, mis à part. Enfin, soyons honnêtes, Game & Watch, mis à part ses smashs sur le stage ou la chaise en ledge trap. Ouais, c'est ça, il y a la chaise en ledge trap, vite fait. Sur le stage, ça trouve pas grand chose. Pendant le jab, il sort son jab à lui. Là, c'est compliqué, hein. Puis en plus, lui, il gratte plus en pendant ce temps-là. Ok. Ok. Il arrive à trouver la stock. Ok. On va goûter surpris, hein, que la petite n'est pas touché en ledge trap, le nerf là-dessus qui est trouvé. Dommage, sur la B, on avait tant de mieux. Je pense qu'il y a un petit missing foot de la part d'Adrich là-dessus. Hop. Bon, grave, là, sur la. On a... Oh, les petites pommes peut-être. Allez, laisse-lui les pommes là. Ah, il les a même pas mangé. En plus, ça vaut le coup, hein, ça ramène vraiment genre 10-15% je crois. Donc, Non, mais ça vaut vraiment le coup. Ok, ça, enfin, il a réussi à lui renvoyer. Hop, smash là-dessus sera pas une trop punish, hein, parce que le zombie de plante ça va tuer là par contre. Ouais, complètement, hein, complètement. Ça aurait explosé 10% plutôt là même. Ah oui, Game & Watch, c'est léger comme une plume. Hein. C'est, ouais, 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 c'est très léger, puis l'astro de plante, bon, voilà. La présente plus, hein, c'est une des meilleures astros du jeu. Oui. Si ce n'est pas la meilleure, je pense, mais il y en a vraiment pas beaucoup qui le contestent. Ah bah, clairement, hein. Pour le coup, je pense pas qu'il y ait des persos qui tuent mieux que plante par le haut. Oh ouf! Oh ouf! Oh la DI! Oh mon dieu! C'était douteux! Oh mon dieu! Oh, c'était douteux! C'était douteux! Il a DI vers le setup là-bas, genre. Ouais, ah oui, clairement! Il a la game, il a DI. Bah, en fait, il a posé la manette. Bon. Ouais. Game 2 pour Gouyou. Game 2 pour Gouyou? Ça se joue game 3 en vrai! Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas trouvé de kill. Rien du tout. Yo, Piu, ça va ou quoi? Tranquille, mon gars? Astralou. Super moche, Astralou. Mon blast, il est très bien, j'ai pas besoin de surnom en fait. Astralou. C'est déjà nickel. C'est déjà nickel. Astralou Pitek. Et on a Lyric. Ça va, c'est pas mal. On a Lyric qui est pour Gouyou. Alors que c'est censé être le favori du match, on le rappelle. C'est complètement le favori du match à la base. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Le score, évidemment. Effectivement, pardon. Mon cher Mino. Je suis trop concentré. Il y a 1-0 dans ce match d'anthologie, effectivement. Adrich qui l'a bien cassé la musique. Comme mec, j'ai jamais vu en dehors du Roblox. Il a fait des tournois à Adrich. Ouais, il a fait des tournois à Paris un peu. Okay. Ouais, il a joué un peu, ça se voit, il a des petites couvertions de base, tu vois. Ouais, mais. Oui, c'est pas n'importe qui. Oh putain, en cœur. Bref, du coup. Non, rien, je casse les couilles, il y en a Astralou, alors que c'est méga moche. Bon, bref. Alors, bon, ça va, c'est joli, Astralou. Super moche, mec. Sais, super laid, frère. Le donner là-dessus. Le donner est trop fort en désin, il en fait pas tant que ça, je crois, Adrich, depuis tout à l'heure. Non, en vrai, parce de vrai, que... avec Plante. Pas ça, il a pas la top shield. Non, mais en fait, le problème c'est que quand il jouait avec nous à l'époque, quand il jouait beaucoup avec nous, on avait compris la douille et on faisait que le punir sur ça. Ah, je capte. Du coup, par défaut, il respecte l'adversaire, on s'est c'est ça. C'est un problème ça, c'est un problème, c'est vrai qu'il a pas encore joué avec assez de joueurs. T'es douille, elle marche pour n'importe qui. Hein. Même contre un top monde, ça peut marcher un temps. Ah bah oui. Juste souvent que va s'adapter. Tu vois, Yo a pris ta cara. Voilà, c'est ça, en fait, tu peux douiller n'importe qui. Tu peux douiller une fois une personne. Tu peux pas douiller 1000 fois une personne. C'est exactement ça. En attendant, c'est très Ivan 1%. Hein. Pour l'instant, ouais, mais le gros problème de ça, c'est que Game & Watch, genre, deux coups, il est mort. C'est ça. Alors que Gouyou, lui, ça va, tu vois, a priori. C'est ça, alors que Plant. Ok, dash attack, il faudrait qu'il ait un petit dans ce genre de cas. C'est pas mal ce qu'il nous propose avec ce dash trap. Mais un petit F-tilt, plus 2%, un angle plus propice à l'edge guard, j'ai envie de dire. Après, on connaît les main Game & Watch qui ne savent même pas comment aller dans le lab. Hein. Ah, ça, bah, est-ce que tu l'as, Game & Watch? Alors, pour la petite anecdote. T'as un genre de pitch, t'es pas objectif. Personne n'a pris des noix. Non, mais moi je le dis. Tous les persos sont là. Oh, alors, pour la petite anecdote, le nombre de fois où il nous a dit, les gars, sur le Game & Watch Cord, il y a des mecs qui laguent des trucs de zinzin. Non, mais je suis sûr que c'est possible, ouais. Mais en vrai, t'as plein de trucs. Mais tous les persos peuvent se lab, à part Casmilla. À part Casmilla, ça se lave pas. Il y a d'autres persos. C'est vraiment l'un des top 10 des persos qui se lavent le plus. Le gars, pas de mauvaise foi. J'aime bien ce qu'il nous propose en set play. Je pense que Gouyou évite pas ces situations encore. Tu vois, là, il devait pas trop jouer ces situations parce qu'il gagnera pas avec toi. Tu penses qu'il gagnera pas? Mais non, il gagnera jamais. En fait, il a son nerf qui est décent parce que c'est un outil. Mais contre Game & Watch, il y a le up B. Et puis, regarde, voilà, lui, il a son up B, son nerf, son down smash, son up smash. Il a 30 000 outils qui tuent, slash combo. En attendant, là, Gouyou n'a plus compliqué. De job. Oh, il a vu sa Rico par le high. C'est très bien joué parce que le but effectivement, dès que lui est envoyé dans un angle très horizontal, il Rico par le haut. Il Rico par le haut. Adrich l'a remarqué, ça. C'est mon poulain qui est sur scène. Adrich l'a remarqué, c'est vachement intéressant. Ça devrait être ton poulain. C'est ton poulain contre ton poulain. Ah, t'as vu les petits honneurs en désordre, on en fait un peu. Ça devrait être ton poulain aussi. On en fait un peu plus face de juggle de la part du joueur de plante là-dessus. On trouvera peut-être pas du subtit, mais on va réussir à chaque fois. Sur la plateforme, le petit zombie là-dessus qui est tenté, on trouvera rien. Adrich, pareil, très, comment dire,
Il évite bien les deux de plantes, tu vois. Oui. Mais faut qu'il arrête avec son putain de drapeau de merde. Ok, le F-tilt, qu'il a trouvé là sur l'Edge Trap, enfin, première fois qu'il arrive à le trouver. Et on est parti pour un upset côté Adrich, hein. Cependant Gounou qui va pas cesser de faire le donner qui est en tenace sur la phase de l'Edge Trap qui commence. Mais on sort encore une fois avec cette roll en option, hein. Alors, t'as vu, c'est vraiment. Y'a plus de jump du coup, Gounou. Oula. Et Gounou commence à paniquer un peu. Il a peut-être pas. Non, là, l'air d'être. Adrich a peut-être pas fait attention qu'il y avait le. Tu penses? Ouais, ouais, ouais. Pas de panique quoi. Non, non, c'est beau. Éviter les problèmes mettre, quoi. Pour se mettre dessous. Ouais, ouais, ok, ça se tient. Oh là, la petite crêpe là-dessus qui touche, le F-Smash aussi sera tenté. On commence à s'impatienter parce que le F-Smash à 40, on n'a pas forcément l'utilité d'en faire avec Game & Watch. Oui. Au côté Adrich, donc voilà, attention de ne pas s'impatienter. Voilà, chez le shield bêtement par exemple. Voilà, chez cette situation. Ouais, il a fait des saucisses. Ça a pas marché, oh là ça veut des down smash. En fait, c'est une bonne réponse de Gouyou, c'est de dire dans le trap. Parce qu'étant donné qu'il a des PR à mieux, j'en parlais tout à l'heure, mais. Ouh voilà, il a essayé de Takera. Il a essayé de Takera. C'est la spéciale Gouyou, c'est là qu'il se sent en confiance là-dessus. Le smash qui est tenté, on arrivera à cacher Soso avec ce nerf. Ça se précipite du côté d'Adrich. Non, je trouve que c'est mal ce qu'il fait parce qu'il a fait un flash sur la roll. Il sait avec l'autre, à essayer d'agir vite. Donc hop, il est directement allé cacher Soso avec un nerf. Moi, je trouve que côté Adrich, on garde un certain sang-froid. Mais c'est vrai que les Donby, par contre, on va prendre un petit peu plus. Hein. On est peut-être un peu moins attentif. Ce flash aurait clairement tué, hein. C'était clairement une balle de match sur cette action. C'était. Et voilà, ce Dunby qui a encore tenté Gouyou qui en fait un peu plus depuis tout à l'heure. Hop, smash là-dessus qui est tenté, on retombe dessus avec Gouyou. Heureusement, ça le prend pas, il aurait mérité, hein, parce qu'ils sont vraiment plus touchés. Là, franchement. Ok, d'accord, les crêpes là-dessus sont tentées. Est-ce qu'on sortira sur l'Edge Trap? C'est clairement décisif comme situation. Le Dunby encore pour affaiblir le shield peut-être. Le Dunby qui passe. Bah, okay, mais ça a tué. Ça a clairement tué là-dessus. Ça a clairement tué. De la part de Adrich. 2-1 pour Adrich. Qui nous a fait une sacrée game, un très beau set. Je suis navré. Je suis navré. À la fin, je t'ai juste laissé parler. Moi, je regardais ce qui se passait. Hein. C'était un très beau set. Bah, je comprends. Je t'avais dit que tu devais être pour ce poulain-là. Je t'avais dit que ça devait être ton poulain aussi. Ouais, après, il y a clairement du Paris Homme.